Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à tous. En direct depuis Rome, nous sommes le jeudi 15 août. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Je suis Manuela Fidji et j'aurai donc le plaisir de vivre la prière de l'Angélus d'ici quelques secondes, 2 minutes, présidée donc récitée par le pape François depuis les appartements pontificaux du palais apostolique. Je salue tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent fidèlement via notre site vaticannews.va, via également le canal YouTube de Vatican News en français. Et je salue également tous nos auditeurs qui nous suivent via nos radios et partenaires Radio Espérance et le réseau EWTN France, nos fidèles amis et partenaires. C'est donc la fête de l'Assomption, Marie qui est élevée corps et âme au ciel. La fête de l'Assomption, grande fête mariale, qui est appelée chez nos frères orientaux la fête de la Dormition de la Vierge Marie. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, Marie guide et soutient l'espérance du peuple de Dieu encore en chemin. Par son Assomption, élevée corps et âme au ciel auprès de son Fils ressuscité, Marie préfigure ce qui nous attend. Notre ultime espérance. C'est donc une fête de joie, une fête d'espérance pour tous les chrétiens. Rappelons que cette fête de l'Assomption, eh bien c'est aussi un dogme. Le dogme de l'Assomption a été proclamé en 1950 par Pie XII. Dogme, donc une certitude de la foi. Marie, élevée, corps et âme dans la gloire du ciel. D'ici à présent quelques secondes, le pape devrait faire son apparition aux fenêtres des appartements pontificaux en ce radieux jour donc du 15 août. Ciel d'azur, beau soleil et un petit vent qui vient un peu assouplir la chaleur écrasante qui a régné sur Rome ces derniers jours. Et voici donc le souverain pontife. Qui salue les fidèles et surtout les touristes, il faut bien dire, qui sont présents sur la place Saint-Pierre. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, buongiorno. Bonjour. Nel Vangelo di oggi, dans l'évangile d'aujourd'hui, solennité de l'Assomption de Marie très sainte, la Vierge Sainte prie en disant « Mon âme magnifie le Seigneur ». Et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Regardons les verbes de cette prière. Magnifie et exulte. Deux verbes. On exulte quand il arrive quelque chose de tellement beau qu'il ne suffit pas de se réjouir seulement dans notre âme, mais qu'on doit exprimer ce bonheur avec tout notre corps. Alors on exulte. Marie exulte en raison de Dieu. Qui sait si à nous aussi il est arrivé d'exulter pour le Seigneur? Nous exultons pour un résultat obtenu, pour une belle nouvelle reçue. Mais aujourd'hui, Marie nous enseigne à exulter en Dieu. Parce que lui, Dieu, fait des merveilles. Les merveilles, ces grandes choses, sont rappelées par un autre verbe, magnifier. Mon âme magnifie. En effet, magnifier signifie exalter une réalité pour sa grandeur, pour sa beauté. Marie exalte la grandeur du Seigneur. Elle le loue en disant qu'il est vraiment grand. Dans la vie, il est important de chercher de grandes choses. Autrement, on risque de se perdre derrière de nombreuses petites choses. Marie nous montre que si nous voulons que notre vie soit heureuse, il faut mettre Dieu à la première place, parce que lui seul est grand.
Combien de fois, au contraire, nous vivons en suivant des choses de peu d'importance? Préjudices, rancœurs, rivalités, envies, biens matériels superflus, illusions. Combien de mesquineries dans la vie? Nous le savons. Marie aujourd'hui invite à lever le regard vers les grandes choses que le Seigneur a accomplies en elle. Nous aussi, chacun de nous, en chacun de nous, le Seigneur accomplit de grandes choses. Il faut seulement les reconnaître et exulter, magnifier Dieu pour toutes ces grandes choses. Ce sont justement les grandes choses que nous fêtons aujourd'hui. Marie est élevée au ciel, petite et humble. Elle reçoit la première, la gloire la plus haute. Elle, qui est une créature humaine, une de nous, elle atteint l'éternité en son âme et en son corps. Et là, elle nous attend, comme une mère attend que ses enfants retournent à la maison. En effet, le peuple de Dieu l'invoque comme porte du ciel. Nous sommes en chemin, pèlerins vers la maison qui se trouve là-haut. Aujourd'hui, nous regardons Marie et nous voyons l'objectif. Nous voyons qu'une créature a été élevée dans la gloire de Jésus-Christ ressuscité, et cette créature ne pouvait être autre qu'elle, la mère du Rédempteur. Nous voyons que dans le paradis, avec le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi elle, Marie, la nouvelle Ève. Et cela nous donne du réconfort et de l'espérance dans notre pèlerinage terrestre. La fête de l'Assomption de Marie est un rappel pour tous, spécialement pour ceux qui sont affligés par les doutes et les tristesses, qui vivent avec le regard rivé au sol. Ils n'arrivent pas à élever le regard. Regardons en haut. Le ciel est ouvert. Il n'inspire pas la crainte. Il n'est pas distant. Parce que sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend. Et c'est notre mère. Elle nous aime. Elle nous sourit. Et elle nous secourt avec attention. Comme chaque mère veut le meilleur pour ses enfants, elle nous dit « Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas fait pour les petites satisfactions du monde, mais pour les grandes joies du ciel. » Oui, parce que Dieu est joie, pas ennui. Il est joie. Laissons-nous prendre par la main par la Vierge Marie. Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et nous prions le rosaire, nous faisons un pas en avant vers cette grande destination de notre vie. Laissons-nous attirer par la vraie beauté. Ne nous faisons pas engloutir par les petitesses de la vie, mais choisissons la grandeur du ciel. Que la Vierge Marie, porte du ciel, nous aide à regarder chaque jour avec confiance et joie là où est notre vraie maison. Où elle est elle qui, comme mère, nous attend. Prière de l'Angélus. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, uci angel nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem,
a resurrectionis gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunc et saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, j'exprime ma proximité aux populations des divers pays de l'Asie du Sud, durement touchées, frappées par les pluies de la mousson. Je prie pour les victimes et pour les déplacés, pour toutes les familles qui se retrouvent sans toit. Que le Seigneur leur donne force à eux et à tous ceux qui les secourent. Aujourd'hui, à Częstochowa, en Pologne, sont rassemblés de nombreux pèlerins pour célébrer la Vierge qui monte au ciel et pour rappeler le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Pologne. J'envoie mon salut à tous ceux qui sont réunis au pied de la Vierge Noire et je les exhorte à prier pour toute l'Église. Et je salue aussi tous les Polonais ici présents. J'adresse un salut cordial à vous, pèlerins italiens et de divers pays. En particulier, je salue la famille missionnaire Donum Dei, la Union Seglar de San Antonio Maria Clare, le groupe vénézuélien des Festeros de San Vicente, venu en vélo de Valence, et les jeunes de Novoli engagés dans un camp école, un camp scolaire. Et maintenant, je vous demande d'accompagner avec la prière le geste que je m'apprête à faire. Je vais bénir un grand nombre de chapelets destinés aux frères de Syrie. Sur initiative de l'association Aide à l'Église en détresse, environ 6 000 chapelets ont été réalisés. Ce sont les sœurs carmélites de Bethléem qui les ont réalisés. Aujourd'hui, en cette grande fête de Marie, je les bénis. Et ensuite, ils seront distribués aux communautés catholiques en Syrie, comme signe de ma proximité, spécialement pour les familles qui ont perdu quelqu'un à cause de la guerre. La prière faite avec foi est puissante. Continuons à prier le chapelet pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier. Facciamo la benedizione. Pregando prima l'Ave Maria. Bénissons et d'abord prions un Ave Maria. Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rosario. Rosario. Benedica Dio, le Saint-Père omnipotente, questi rosari, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Le Saint-Père montre le chapelet. Et à tutti voi, et à vous tous, je souhaite une bonne fête de l'Assomption. S'il vous plaît, non dimenticatevi di pregare per me. N'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon appétit et au revoir. Le pape salue encore une fois les pèlerins rassemblés place Saint-Pierre. Vous entendez les joyeuses cloches de Saint-Pierre. C'est ainsi que s'achève notre transmission en direct depuis Rome pour cet Angélus du Pape récité donc en ce jeudi 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie. J'ai été ravie de partager, de suivre ce moment avec vous. Je salue encore une fois tous nos auditeurs qui nous ont écoutés via notre site, via Radio Espérance et le réseau EWTN France. À vous tous, à mon tour, je souhaite une belle fête de l'Assomption. Et je vous dis à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.